En Allemagne, la Fédération de l'industrie appelle la coalition d'Angela Merkel à trouver une issue à la crise qu'elle traverse pour redonner des gages de confiance. Une condition nécessaire afin de lutter contre les signes de ralentissement économique observés dans le pays, selon Dieter Kempf. La majeure partie des questions abordées par la grande coalition ne touche pas ou peu les gens. Je tiens à le dire très clairement, le gouvernement a dilapidé une grande partie de la confiance qui lui était accordée. Mais pour Angela Merkel, ces difficultés économiques sont surtout dues au contexte international et aux conflits commerciaux avec les États-Unis. L'accord avec le Japon a été signé, ce qui est formidable. Nous avons bouclé celui avec Singapour et après un travail acharné, l'Allemagne y a travaillé sans relâche, nous avons un mandat pour mener des négociations avec les États-Unis, ce qui est à mes yeux fondamental. Il est regrettable que la France ait voté contre ce mandat, mais nous avons peut-être un travail à mener pour convaincre les gens. Je suis convaincue que nous devons mettre fin aux conflits commerciaux, en particulier avec les États-Unis, grâce à des discussions et à des solutions raisonnables. D'après le dernier baromètre de l'attractivité, la France se hisse en deuxième place du classement des pays européens privilégiés par les investisseurs et devance l'Allemagne qui mise sur une croissance de seulement 0,5% cette année.